We are ready to start. Again, welcome you to the session. And we start with an interesting talk by Sophie Hildner, or she told me it's actually Zara Hildner. And she will talk about the discovery of the sex in medicine. Le nom de la conférence, c'est Comment la médecine a découvert le sexe par Zara Hildner. Merci. Wow. Wow. Merci. Merci beaucoup de m'avoir introduit et merci d'être venu. Merci d'avoir sélectionné ma conférence pour le congrès. Et je suis très passionnée par ce sujet et j'espère vraiment que je vais pouvoir partager cette passion avec vous. C'est fou à quel point il y a tellement de gens qui sont ici. Alors, je pensais que, vu que je suis ici, je vais en profiter pour montrer quelque chose. Alors, je sais que c'est un outil qui est supporté par des venture capitalists. Donc, vous pouvez aller sur cette URL et m'aider un petit peu à regarder ça et faire un peu nos expériences scientifiques. Alors, d'habitude, je fais toujours ça en allemand. C'est la première fois que je le fais en anglais, mais bon, normalement, ça marche plutôt bien. Alors, si vous voulez faire partie de cette expérience, je vois qu'il y a des gens qui commencent à utiliser l'outil que j'ai proposé et envoient des petits cœurs. Donc, c'est génial. Alors, continuez à rejoindre pour qu'on puisse faire cette expérience ensemble. Alors, je vais commencer par une histoire. Alors, j'ai eu un accident. Mes parents étaient dans une voiture. Donc, l'histoire que je voulais raconter, c'est pas mon histoire, donc c'est un enfant et son père sont en train de conduire et ils ont un accident et il y a un problème à son pénis, à l'enfant. Ils vont à un hôpital et le chirurgien dit « Je ne peux pas opérer sur cet enfant. C'est mon fils. » Alors les gens disent mais comment c'est possible que le chirurgien soit l'enfant puisque c'est le père était déjà là. Alors comment ça se fait? Alors je ne peux pas parce que c'est mon enfant. Alors, quel est le résultat de l'expérience? Qu'est-ce que les gens ont dit? Alors, je ne peux pas vous montrer sur l'écran, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ce que les gens répondent à cette question. Je ne peux que décrire ce que je vois sur les slides, mais je vous le dirai plus tard. Mais alors, continuez à donner vos réponses sur l'outil. Alors, ce qu'on voit, c'est la mère. Et donc, c'est bien. Merci de penser que c'est ça. C'est bien la mère qui est chirurgienne. Alors, la plupart du temps, quand je fais ça en allemand, les gens disent « Attendez, mais c'est pas possible. C'est peut-être c'est peut-être des homosexuels ou c'est peut-être un parent adopté ou c'est peut-être... des parents remariés et ils pensent jamais en fait à la mère parce que en allemand c'est très souvent en fait quand on dit chirurgien on pense directement à un homme en fait et c'est le mot est utilisé en allemand et toujours le mot pour un homme. Il y a un mot pour les femmes mais il n'est pas très utilisé. Chirurgienne. Alors, on vit dans un monde qui est genré. Pour faire un petit résumé de ce qu'on va parler aujourd'hui, on va déterminer un peu de ce qu'on va parler. Donc, qu'est-ce qui est le sexe? Quels sont les genres? Parce que les deux sont très importants dans la médecine. On va aussi parler de comment moi, j'essaye de hacker le système médical avec mes recherches, parce que quand les hommes et les femmes et ont des différences entre leurs corps, c'est quelque chose qui est très nouveau dans la médecine. Les termes principaux qu'on va utiliser, ça va être sexe, genre et
partie génitale et l'identité de genre. Comment est-ce qu'on exprime son genre, où on est qui on est attiré par. Et je vais vous montrer un peu des recherches qui sont intéressantes sur le sujet. Donc d'abord, on va commencer par le sexe. Quand je dis sexe, je veux dire le sexe du corps physique. Je parle des parties génitales, je parle des hormones, je parle des gènes, je parle des hanches et épaules, le ratio entre les hanches et les épaules. Il n'y a pas que deux options pour les deux. Il y a aussi les intersexes qui ont toujours été là, mais on a un peu toujours jamais vraiment fait attention aux intersexes, malheureusement. Et donc, quand un bébé naît, les gens vont directement demander, regarder ce qu'il y a entre les jambes et se demander qu'est-ce qui est là et essayer d'identifier qu'est-ce que c'est. Donc, jusque-là, on a 7 jours pour décider, après la naissance, si c'est un homme ou une femme. Et un chirurgien un jour m'a dit, tu sais quoi, c'est plus facile de faire un trou que de créer une barre. Alors, je pense que c'est un peu abusé que de faire de la chirurgie comme ça sur les bébés quand ils sont si jeunes. Et c'est pas forcément besoin de tout de suite l'opérer. Et surtout si le corps est sain et en bonne santé et va pouvoir développer dans le futur ce qu'il faut. Et je pense que rester indécis devrait être une option. Alors, quand on est assigné un sexe à la naissance, on le garde plus ou moins pour toute sa vie. On est un peu habitué à cette tradition dans l'ancien grec qui dit que le corps de l'homme est le corps idéal. Et c'est l'expression la plus belle de l'humanité. Et que les femmes sont juste des... Je ne suis pas sûre que c'est juste que leur pénis est allé dans le feu. Et ensuite, dans le futur, on s'est rendu compte que, en fait, non, il y a deux corps. Tout ce qu'on a regardé sous le microscope, on a regardé le pénis, on a regardé les testicules. En fait, ça peut être différent. Peut-être qu'on devrait regarder différemment. Et ils avaient raison. Ils ont regardé que... ça réfère au fait que tout ce qui est couvert au bikini, et c'est un médecin qui s'en occupe. Ouais, donc les médecins se sont dit que tout ce qui était caché par un bikini, c'était un autre médecin, et que les médecins principaux gardaient tout ce qui était les recherches des hommes. Donc petit à petit, on a commencé la médecine des genres, et donc petit à petit, c'est devenu un peu plus que juste les féministes énervés qui arrivent, et c'est devenu quelque chose qui était que dont les gens pouvaient s'occuper. Et on s'est surtout rendu compte qu'à une époque, on pensait que c'était un combat qui était d'un seul côté, que c'est une discrimination contre les femmes. On s'est rendu compte ensuite que c'est une discrimination aussi contre les hommes. On sous-estimait les risques pour les hommes. Alors, quand on parle de sexe, il y a tout un tas d'aspects. Il va y avoir les phéromones, les hormones. Et tout ça, ça influence la façon dont votre corps réagit à la médecine. La façon que vous avez quelle que soit votre identification, votre sexe est important sur le point de vue médical. Si vous êtes né, si vous avez été assigné femme à la naissance et ensuite vous identifiez comme un homme ou comme quelqu'un de non-binaire, vous avez quand même des aspects anatomiques qui vont influencer votre réception de la médecine. Par exemple, après une transition de personne transsexuelle, même 10 ans après, certaines hormones vont parfois rester et d'autres non. Par exemple, 10 ans après une transition, des femmes transsexuelles vont avoir généralement un risque de crise cardiaque réduit grâce à l'augmentation de l'estrogène.
Mais on sait aussi maintenant qu'il y a des cas où, même après une transition réussie, certains aspects médicaux restent. Et il y a beaucoup de recherches maintenant sur qu'est-ce qui dépend du sexe et qu'est-ce qui dépend du genre. Par exemple, il y a eu beaucoup de recherches sur est-ce que les gènes ont un impact sur la santé ou est-ce que c'est les hormones. Ici, on peut voir qu'on a un génotype avec 4 composantes chez les souris. Ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué. On commence avec une souris mâle et une souris femelle. La souris mâle a des chromosomes XY, SRY. Le mâle a une mutation qui l'empêche de développer des testicules. Donc, il n'aura pas d'appareil génétique masculin. Le gène SRY est ensuite inséré dans cette souris de façon à lui faire développer des organes reproducteurs mâles. On fait ensuite se reproduire cette souris mâle avec une souris femelle. Dans la génération suivante de souris, on a 4 cas possibles. On a une version femelle avec donc forcément un chromosome X, mais il y a 2 versions, un où c'est un XY- et un où c'est XX. XX, c'est une souris femelle habituelle, standard. Il y a tout à fait les composantes génétiques habituelles d'une souris femelle et les hormones d'une souris femelle. La souris XY-, puisqu'elle a la variante moins, va être une souris femelle d'un point de vue extérieur, mais génétiquement, est une souris mâle. Et de cette façon, on peut déterminer et faire une distinction entre est-ce que c'est les hormones ou les gènes qui ont un impact. De l'autre côté, chez les mâles, on a aussi une souris XX qui a donc le setup, la composante génétique d'une femelle. Mais avec le gène SRY, on peut voir que cette souris est de façon extérieure mâle. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec la recherche moderne. Et il y a beaucoup de choses dans la recherche qui sont faites sur des souris ou des divers rongeurs, puisqu'on peut les manipuler plus facilement. Une des choses qu'on a négligées jusqu'à il y a quelques années, c'est que les phéromones, c'est-à-dire tout ce qui correspond à une odeur générée par les êtres vivants, ça a un impact sur comment est-ce que les humains et aussi les animaux interagissent les uns avec les autres. Par exemple, dans les années 90, McClintock s'est rendu compte que les phéromones des chercheurs femmes, avaient un impact sur non seulement la synchronisation des cycles menstruels, mais aussi sur la perception de la douleur. Ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, quand quelqu'un rentre là-dedans, dans cet environnement, avec des stéroïdes manquants, cette personne va réagir aussi différemment, vous allez aussi réagir différemment à la douleur à cause de la présence de cette personne qui manque ses stéroïdes, à qui il manque ses stéroïdes. Une des choses dont on s'est rendu compte également, très récemment, en 2014, c'est qu'il y a un effet du sexe des chercheurs sur les souris sur lesquelles on fait l'expérience. On s'est rendu compte que si on exposait des souris et des rats mâles à des chercheurs mâles, des hommes chercheurs et non pas à des femmes chercheurs, cela allait réduire la perception de la douleur chez les rongeurs. S'ils sont exposés, ces rongeurs, à des chercheurs femmes, les rongeurs vont plus rapidement réagir à la douleur. Par contre, si c'est un ce qu'on a pu voir aussi, c'est que si un homme chercheur enlève sa veste et la passe à une chercheuse femme, les résultats seront similaires à si c'était un homme qui opérait, alors que c'est cette femme qui porte une veste d'homme. Cet effet ne dure pas très longtemps, environ 30 minutes, mais je ne connais pas beaucoup de chercheurs qui ont le temps de rester plus d'une demi-heure de toute façon à attendre ça. Mais ce n'est pas standard de dire ou de publier des papiers de recherche dans lesquels on dit explicitement quel est le sexe des chercheurs qui ont fait des manipulations sur les rongeurs. Mais pourtant, on sait que ça a un impact, donc on devrait quand même garder ça en tête quand on lit et quand on écrit des papiers.
Il y a aussi une recherche qui a été faite sur l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui affecte la densité des os, qui les rend du coup plus friables et dans laquelle se cassent plus facilement. Assez longtemps, on a cru que l'ostéoporose était une maladie qui ne touchait que les femmes. Mais pas vraiment, en fait. On s'est rendu compte récemment que chez les hommes, c'est très sous-estimé, l'incidence d'ostéoporose, et qu'à l'âge de 70 ans, la chance d'avoir de l'ostéoporose chez les hommes augmente également. Ce qui est malheureux ici, c'est que si les hommes ont une fracture avec l'ostéoporose, ils ont plus de chances de mourir comparé à des femmes. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand je cherchais des images sur l'ostéoporose, comme celle-ci, je n'ai trouvé que des images de femmes, par exemple. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Parlons maintenant du genre, de l'identité du genre. L'identité du genre, c'est comment est-ce que vous vous définissez et comment est-ce que vous interprétez votre genre, comment est-ce que vous vous alignez avec ce qu'est votre corps. Donc, en tant que personne avec un genre, moi, je suis ici et je peux vous dire que moi, je m'identifie comme une femme. Et avant, quand on parlait de sexe, c'est intéressant de se demander peut-être ce que quelqu'un a entre les jambes, mais juste pour, je vais quand même préciser, c'est très mal poli de demander déjà. Si vous vous posez la question, peut-être qu'ils vous le diront s'ils sont prêts, mais si vous n'avez pas l'intention en tout cas d'avoir des relations sexuelles avec cette personne de façon consensuelle, le mieux c'est de ne pas leur demander, ne faites pas cette erreur. Alors avec l'identité de genre, on ne sait jamais. Des personnes vont vous dire, des personnes ne vont pas vous dire s'ils sont plutôt femmes ou s'ils sont plus hommes. Et peuvent aussi s'identifier en tant que non-binaires, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas l'un des deux. Et ils ne sont juste pas forcément confortables avec le corps qu'ils ont. Si quelqu'un vous dit ça, il faut le respecter. S'ils vous font confiance et qu'ils vous le disent, c'est incroyable et il faut respecter ça, c'est important. Alors, l'identité des genres a beaucoup influencé nos sociétés également, parce qu'on a il y a des choses qu'on attend quand on a des idées sur les genres, comme par exemple les femmes doivent avoir une petite voix et être jolies et gentilles. Alors, ici, on voit que ce n'est pas le cas et que c'est vraiment une société très différente et pleine d'espoir sur ce qu'on fait, mais c'est pas vraiment, ça représente pas vraiment ce qui se passe dans le monde en dehors. Donc voilà, par exemple, des images d'histoires pour enfants, pour les hommes ou pour les femmes. Donc je vais vous laisser les analyser et deviner. Mais ce que je veux montrer, par exemple, c'est que voilà. Pour toutes les. Et aussi, c'est important de se dire que la plupart des grands chefs sont des hommes, donc je pense qu'ils ont fait un peu une erreur ici. Donc, quand on parle de l'expression du genre, je veux dire, par exemple, ici, j'ai un. C'est derrière mon micro, vous pouvez voir que j'ai une robe. Donc, par exemple, vous pouvez voir que c'est quelque chose que les femmes ont généralement. Et l'expression du genre, ça a à voir avec comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on se porte, comment on parle, quel genre de manière on choisit d'avoir. Et ça peut être aussi... Vous pouvez être quelqu'un de très unique ou vous pouvez être complètement, stéréotypiquement masculin ou féminin. Tout est OK, on ne devrait pas pointer du doigt les gens qui ne se conforment pas à un stéréotype. Alors, comment est-ce que le genre influence les gens en matière de médecine? Eh bien déjà, il y a quelque chose à propos de comment est-ce qu'on pense, à quel point on pense que les gens sont susceptibles d'avoir une maladie. Par exemple, si on part de problèmes d'érection, si quelqu'un se comporte plus masculinement ou plus féminement, la perception sera différente. En matière de dépression, par exemple, ça devient récemment, dans ces dernières années, on a commencé à parler de dépression chez les hommes. Mais jusque-là, les hommes parlent très différemment de leurs symptômes. Ils ont un ressenti de leur corps différent. Et tout comme les femmes souvent ne pensent pas qu'elles peuvent avoir une crise cardiaque, il y a une certaine façon, d'une certaine façon, ce que vous vous attendez à avoir comme maladie influence ce que vous pensez avoir. Et
pour la dépression, c'est important puisque c'est quelque chose qu'il faut analyser aussi pour soi-même en partie. Le genre influence aussi notre façon d'interagir avec les docteurs. La façon de discuter avec les docteurs peut être très différente. Par exemple, en premier, si vous êtes une femme et que vous voulez avoir des pilules contraceptives, vous devez aller voir un gynécologiste et vous devez aller voir ce gynécologiste régulièrement au fil de votre vie. Si vous êtes un homme ou si vous êtes un jeune homme ou un enfant, un garçon, si vous allez voir un médecin et que vous êtes malade, on va vous dire « Ah, c'est une grippe, très malade, mais vous êtes sorti ». Et ensuite, vous retournez voir le médecin peut-être à un âge de 35 ans pour des questions de prostate. Entre les deux, vous avez beaucoup moins vu le médecin comparé à une femme qui a vu un médecin tous les ans probablement chez un gynécologiste. Donc ça, ça influence aussi comment est-ce que les médecins s'attendent à voir certains genres et certains comportements. Si vous allez voir un urologue et que vous avez des problèmes d'érection, qui viennent peut-être d'une question de pression au travail par exemple, avoir la pression d'être la personne qui rapporte l'argent à la maison, ça peut être une forte pression. Ou vous avez peut-être simplement de la pression d'être triste et que peut-être que votre vie est triste et que vous voulez juste en parler. Mais je ne pense pas qu'un urologue sera la première personne qui va suggérer ça. Alors certains le feront, il y a des très bons urologues. Mais en général, les urologues s'intéressent à des questions différentes de ça. Et ça m'amène à des questions de normes et de stéréotypes. Si on dit « tous les hommes sont comme ça » ou « toutes les femmes sont comme ça », ça, c'est un stéréotype. Mais une norme, c'est quelque chose qui est puni par la société quand on diverge de cette norme. Donc, si, par exemple, vous êtes un homme et que vous mettez à pleurer au milieu du public, au milieu d'une foule, les gens vont réagir d'une certaine façon. Et en général, ça va probablement être une réaction déplaisante. Même si vous êtes une femme, ça risque d'être une réaction déplaisante de pleurer en public. Mais quand vous êtes un homme, c'est beaucoup plus dur. C'est dur. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup en termes d'effet, puisque tout le monde juge. C'est comme ça qu'on catégorise les choses dans notre monde. On essaye de ne pas le faire, j'essaye de ne pas le faire, mais c'est difficile. Et j'ai parlé avant de dépression. Et la dépression est plus courante sous forme d'anxiété chez les femmes. Chez les hommes, par contre, ce qu'on verra plus souvent, c'est que les hommes vont plus souvent abuser de drogues, de substances. Malheureusement, les hommes ont aussi un taux de succès dans les tentatives de suicide beaucoup plus élevé. Donc, quand vous parlez à quelqu'un qui vous dit que cette personne ne se sent pas bien, merci, c'est très important. D'en parler, c'est un vrai problème. Et il faut qu'on parle de comment est-ce qu'on évalue la dépression chez les gens. Toutes les échelles de mesures qu'on a sont plus ou moins liées à l'idée que les gens sont tristes ou qu'ils dorment mal. Mais si vous ne connaissez pas votre corps si bien que ça, ou que si vous ne savez pas comment en parler, ou si vous ne savez pas comment vous adresser à un docteur, peut-être que vous allez simplement rater des indices. Peut-être que le docteur n'a pas l'habitude aussi de voir une version masculine de la dépression, puisque ça peut être une question de responsabilité. Peut-être que vous devez laisser votre enfant à la maison pour aller travailler et vous détestez ça, parce que si vous restez à la maison, vous risquez de perdre votre emploi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est lié aux normes de genre. Si vous êtes un homme et que vous prenez des petites pilules bleues pour des troubles de érection, vous vous conformez aussi, d'une certaine façon, à une norme de genre. Il faut voir aussi que des pilules comme celle-ci, souvent, s'intéressent aux symptômes et pas aux causes de ces maladies. Je pense que j'ai été claire sur le fait que le genre et le sexe sont différents. Et donc maintenant, donc on va parler maintenant d'un exemple d'attaque cardiaque. Donc je veux parler de l'attraction. Quand on est attiré par quelqu'un. Par exemple, si tu es une femme lesbienne et que tu n'es jamais allée chez un gynécologiste, tu n'es pas vraiment dans le système sur les cancers de ces gens-là parce qu'il n'y a jamais vraiment
de recherche sur le sujet. Pareil pour l'autre côté, si les hommes sont gays, alors ils n'ont pas le droit de donner du sang. C'est plus le cas, mais ça l'était. Et y a d'autres lois dans lesquelles on ne doit pas faire de sexe gay pendant un an avant de pouvoir le faire. Donc ça n'aide pas beaucoup. Donc je vais pouvoir maintenant passer bientôt à la deuxième partie de cette présentation. Mais avant ça, comme je suis aussi une physiothérapeute, on va faire un petit exercice. Alors, ne vous levez pas, mais redressez-vous, penchez-vous un petit peu en avant peut-être. Voilà, bien droit sur les chaises. Ah, bien droit comme ça. Prenez un grand souffle à l'intérieur. Inspirez. Tenez-le une seconde, et ensuite expirez. Une nouvelle fois. Tenez une seconde. Et tous les hommes, vous expirez. Toutes les femmes, vous retenez l'inspiration encore. Les personnes qui sont non-binaires, vous pouvez continuer à respirer puisque vous n'êtes pas de toute façon dans les livres de médecine, donc vous ne comptez pas vraiment. Désolé, hein, j'ai essayé. Mais... Toutes les femmes, vous retenez quand même votre souffle toujours, hein? Ok, allez, 15 secondes, c'est pas mal. Vous pouvez respirer. Ce que je veux dire par là, c'est si vous, en tant que femme, vous aviez une crise cardiaque, ça vous prendrait environ 15 minutes de plus pour atteindre un bloc opératoire qu'un homme. Alors, avant, c'était 90 minutes, hein, donc il y a quand même un beau progrès. Mais dans une attaque cardiaque qui est une des choses les plus recherchées médicalement, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler ou peut-être pas, mais c'est des données qui ont quand même 30 ans, donc c'est quelque chose d'assez réparti. Et j'ai regardé beaucoup de manuels médicaux et je n'ai pas trouvé tant de données que ça. Quand on parle des symptômes d'une attaque cardiaque, d'une crise cardiaque chez les gens, voilà ce qu'on voit. Moi, on m'a appris qu'une crise cardiaque, c'était des douleurs dans la poitrine, une douleur du côté gauche du corps et des sueurs froides. Et ça, on vous apprend partout en Allemagne. Si on voyait ça, emmenez les gens dans un hôpital tout de suite. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de médecine sensibilisée au genre et au sexe, j'ai appris de façon surprenante que les femmes ont des symptômes différents. Elles se sentent faibles, elles ont le souffle court, elles ont des douleurs dans le dos, elles ont la nausée. Et souvent, ce que ça donne, ça, c'est qu'on les fait se reposer sur un canapé, qu'on leur donne un peu plus d'air. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes sont envoyées à l'hôpital plus tard. Un autre aspect, c'est simplement le fait d'être au courant des différences elles-mêmes. On connaît ces symptômes et quand on les voit, on dit « Ah, c'est un symptôme d'homme, crise cardiaque ». Si on regarde les données, donc ça c'est donné pour l'Allemagne en 2015, si on regarde à gauche, c'est les cancers, les tumeurs malignes, pardon, causent moins de morts que les maladies cardiovasculaires. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les hommes en bleu foncé sont plus à risque de mourir de maladies cardiovasculaires que les femmes. Si on regarde par contre les cancers de la poitrine, on voit moins d'hommes mourir d'un cancer de la poitrine. C'est vrai, mais il y a quand même des hommes qui en meurent, ce n'est pas que des femmes. Mais il y a aussi moins de femmes qui meurent d'une crise cardiaque. Et moins de femmes meurent d'un cancer que d'une crise cardiaque, par exemple. Donc, si on compare, par exemple, combien de femmes sont mortes d'une crise cardiaque, c'est quand même 43% des morts d'une crise cardiaque sont des femmes. C'est pas 50, mais quand même. Donc, ça affecte à quel point on pense qu'on risque d'avoir une certaine maladie. Il faut qu'on fasse des campagnes pour que les gens soient au courant du fait que les femmes aussi peuvent avoir des crises cardiaques. Parce que ça a marché pour le cancer de la poitrine. Les femmes sont au courant qu'elles peuvent en avoir et les hommes au courant que c'est un risque faible. Donc maintenant, il faut passer à d'autres maladies. Alors, quand je vous ai fait cet exercice respiratoire, moi, j'ai pensé à ces livres médicaux dans lesquels on enseigne la médecine. Et là-dedans, il y a des préjugés qui sont inscrits dans ces livres, qui affectent la façon dont les gens reçoivent des soins, comment ils reçoivent des médicaments.
Un des exemples pour ça, par exemple, c'est l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique. On dit, par exemple, quand un homme fait une crise cardiaque, on leur donne de l'aspirine, ça les protégera contre un nouvel infarctus. Pour les femmes, ce qu'on dit dans ces livres, c'est que ça les protège uniquement contre un AVC. Et on ne sait pas vraiment pourquoi c'est comme ça, mais c'est ce que les données disent. Donc, des médicaments peuvent avoir des effets différents sur des sexes différents. Alors, si on sait tout ça et si on dit les crises cardiaques, c'est quelque chose qu'on étudie depuis plus de 30 ans, pourquoi est-ce qu'on doit en parler maintenant? Pourquoi est-ce que je suis ici à vous dire ça? Eh bien, parce qu'il y a dans ces livres d'enseignement médicaux des préjugés. Le premier, c'est l'androcentrisme, c'est-à-dire que la médecine est centrée autour du corps masculin. J'ai lu beaucoup de ces livres et j'ai ramené quelques images. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir et si vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui se répète. Alors, c'est une sélection, hein, il n'y a pas tout, bien sûr. Quand je montrais tout, on m'a dit que ma présentation était beaucoup trop longue et que les gens comprendraient. Hein, allez-y. Et toutes ces images dans ces livres médicaux, il n'y a que les images sur les crises cardiaques qui ont un pourcentage important de femmes dans les images. Alors, on ne parle pas de photos, on parle de dessins. Il n'y a pas une seule femme en dehors. La sensibilité au genre, c'est quelque chose qui... L'insensibilité au genre, pardon, c'est quand on fait des recherches sur un sexe et qu'on extrapole les conclusions à un autre sexe, sans vérifier. Par exemple, ici, il y a eu un groupe de patients, et en dessous, il y a des sous-groupes, notamment des patients plus vieux, des femmes, des patients avec du diabète ou de l'anémie. Et bravo les femmes, vous faites toutes partie des maladies chroniques, comme le diabète et l'anémie. Mais alors, on a beau être très spécial, mais à la fin, il y a quand même une phrase ici qui dit « Mais en général, il faudrait quand même faire comme si c'était des hommes en matière de traitement ». Donc, on est très spécial, mais quand on vient au traitement, très spécial pour la recherche, mais quand on vient au traitement, c'est la même chose. C'est un problème. Troisièmement, il y a le double standard ou le deux poids, deux mesures. Par exemple, on va avoir les mêmes genres d'idées pour des hommes et des femmes, mais qui vont être traités différemment. Par exemple, il y a cette instruction qui dit, dans le cas d'une crise cardiaque, immobiliser le patient et enlever des vêtements qui peuvent compresser la poitrine. Comme par exemple... un t-shirt un peu serré ou bien une cravate. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Très souvent, en allemand, on utilise uniquement le mot masculin pour patient. Et de façon implicite, on ne dit pas patiente. Implicitement, les femmes deviennent des hommes dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore généralement. Alors, il y a un des bouquins que j'ai lu qui était très honnête, qui disait... qui était très honnêtement, qui disait pour les femmes, on n'a pas assez de données pour faire des recommandations générales. Donc, bravo pour les étudiants en médecine, vous avez qu'à vous débrouiller. Hein. Donc, j'ai parlé des différences entre les sexes, différences intersexes, mais il y a aussi des différences au sein même d'un sexe. Et les différences intersexes, les différences intrasexes doivent être prises en compte, les deux. Donc, voici une image que j'ai faite ici. D'un côté, on peut imaginer qu'il y a une population d'hommes et une population de femmes, et les traits au sommet représentent quelle est la différence entre les sexes, si on fait une comparaison générale de la population. Mais si on regarde à une image plus large, la différence au sein d'un sexe, au sein de ce groupe de femmes, par exemple, quelle est la différence? La différence peut être bien plus importante entre deux femmes qu'entre la femme moyenne et l'homme moyen. Et ça, c'est intéressant parce qu'on regarde déjà même pas les sexes séparément. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de séparer les hommes et les femmes dans la recherche. Et à nouveau, je m'excuse de ne pas prendre en compte les personnes non-binaires qui sont forcées d'être binaires par la médecine parce que c'est quelque chose de nouveau pour le monde médical. Ça va être un processus très long et très lent d'en arriver là. Mais il faut qu'on commence quelque part et il faut qu'on commence par regarder ces deux groupes pour ensuite pouvoir les découper et les comparer les uns aux autres. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est pas déjà généralisé?
J'ai fait des interviews avec beaucoup d'experts en médecine généraliste et j'ai ramené une citation d'un lauréat du prix Nobel de médecine. Donc Tim Hunt, en 2015, il y a 3 ans, a dit « Alors moi, je vais vous dire mon problème avec les femmes. Il y a trois choses qui se passent quand elles sont dans le labo. Vous tombez amoureux d'elles, ou elles tombent amoureuses de vous, ou quand vous les critiquez, elles pleurent. » Ça, c'était il y a 3 ans. Hein. Et on va me dire après qu'il n'y a pas de préjugés dans la médecine, dans la science. Ouais. Quelques expériences qui ont été faites sur la résistance par les pionniers de la médecine sensible au genre. Une a dit, ils ne pensaient pas que j'étais le problème, ils ne voyaient pas le problème, ils pensaient que j'étais le problème. Cette personne a aussi dit, si vous êtes un cardiologue et que ça fait 25 ans que vous faites ça, et que maintenant vous devez apprendre que vous avez fait que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien avec tous vos patients femmes, toutes vos patientes, c'est pas facile d'accepter. Et je suis d'accord, c'est quelque chose de très difficile à accepter si on vous dit ça, de vous dire que vous avez peut-être overdosé quelqu'un, vous avez peut-être même tué des patientes à cause de ce manque d'information. Donc, on sait que cette résistance est là. Mais il faut y faire face, il faut en être conscient et il faut avancer. Il faut qu'on continue à changer le système, sinon on n'avancera jamais. Et ce que quelqu'un d'autre a dit, c'est qu'il y a aussi de la résistance parce que parfois l'idée du genre va être associée avec une idéologie du féminisme. Alors, moi je dis, oui bien sûr, je suis féministe, je suis vraiment féministe, mais ce que je fais ici, c'est basé sur une théorie et pas sur une idéologie du féminisme. Et je vais mettre en pratique des propositions qui sont efficace pour l'éducation et pour le travail au quotidien, la pratique au quotidien de la médecine. Ça, c'est important parce que dans l'environnement de recherche de la médecine, l'idée du genre, c'est quelque chose qui est un peu rejeté. C'est quelque chose où on dit « Ah non, ça c'est pour les sciences sociales, c'est pas une question de médecine. » Alors j'ai essayé. J'ai essayé de ramener ensemble les sciences sociales et la médecine, mais c'est pas facile parce que c'est des cultures différentes dans ces domaines de recherche. On en arrive à maintenant à un nouveau type de problème que j'ai rencontré récemment dans ma recherche, les algorithmes. On entre maintenant dans une nouvelle décennie de diagnostic assisté par ordinateur. Et si on veut aider les docteurs à prendre les bonnes décisions, il faut leur donner des données. Tous les livres que je vous ai donnés, c'est des livres qui ont été publiés de 2008 à 2012. C'est des éditions très récentes de ces livres et ils sont disponibles dans à peu près un tiers des bibliothèques médicales en Allemagne, au moins un tiers. Il y en a un qui était dans aucune de ces librairies, pardon, au maximum un tiers. Et c'est pas parce qu'on remplace ça par des ordinateurs qu'on va enlever ces préjugés. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches sur les préjugés dans l'intelligence artificielle. Mais je voudrais vous inviter ici aussi à une autre conférence qui va avoir lieu à la Radboud University in Nijmegen sur les préjugés en IA et en neurosciences. C'est une conférence interdisciplinaire. Donc si vous savez des choses là-dessus, si vous avez des contributions à faire, rejoignez-nous, venez, ce sera très intéressant. Et je voudrais aussi vous donner l'opportunité, une chance de retourner sur le site Menti et de donner des idées que vous avez. Je vais essayer de lire les suggestions, les idées que vous avez partagées là-bas. OK. Alors, je voudrais bien pouvoir vous montrer, mais je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais la première suggestion était, il faut supprimer l'intelligence artificielle. J'aime bien cette idée. Mais bon, j'espère que vous avez appris des choses ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Merci beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou par email, mon adresse est disponible ici. Si vous avez des questions, des idées sur des façons, ou si vous avez des questions qu'on ne pourra pas résoudre dans les questions qui vont commencer maintenant. Merci pour la conférence. Donc, on est ouvert pour les questions. Est-ce qu'on a des questions?
Je ne vois pas de questions. Si vous écoutez cette traduction et que vous êtes sur Internet, vous pouvez poser vos questions sur irc.akins.org. Première question d'un micro. Bonjour. J'ai une question très rapide. Ces citations de femmes que vous avez anonymisées, je me demandais, est-ce que ça fait partie de votre recherche d'avoir collecté ces citations ou est-ce que ça venait d'ailleurs? Oui, j'ai lu beaucoup de thèses et j'ai interviewé beaucoup de femmes et d'intersexes en Europe et je leur ai demandé s'ils avaient réussi à implémenter les recherches dans leurs universités. Et c'est pour ça que je les ai interviewées moi-même et que c'est moi qui ai écrit ce qu'ils ont dit et j'ai analysé ce qu'ils ont dit. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que ça ne bouge pas, pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas, parce que c'est tellement un sujet large que c'est bizarre que toutes les spécialités de la médecine, ça, on n'en parle pas. Et donc, on s'est quand même établi que c'est assez trop petit pour que ce soit le cas. Donc le problème, c'est que ça fait que 20 ans qu'on en parle de la médecine des genres. On dirait que 20 ans, c'est beaucoup, mais dans la médecine, en médecine, c'est pas vraiment le cas. Les choses vont beaucoup plus doucement. Oh oui, continue with the microphone too, yeah. Bonjour. En tant que femme, c'est la première fois que j'ai entendu dire qu'il y avait une différence, par exemple, entre les crises cardiaques chez les hommes et les femmes en matière de symptômes. Et je ne vais pas vous demander de lister tous les symptômes d'autres choses, mais est-ce qu'il y a d'autres conditions, d'autres problèmes majeurs dont on devrait être au courant et qui ont des symptômes différents entre hommes et femmes? La métabolisation de la médecine a une influence énorme. Et en général, les femmes ont besoin de moins de médicaments, mais plus souvent. Et donc, les quantités ne sont pas forcément justes. Et c'est quelque chose dont il faut parler directement avec les docteurs. Et la plupart du temps, j'ai été étonnée de voir que ce n'était pas adapté pour les femmes. Et souvent, les femmes sont aussi plus légères en poids. Et ce n'est pas toujours adapté. Je ne suis pas non plus un médecin moi-même, je suis un sociologiste, donc je suis vraiment désolée. J'essaye d'en parler, mais ce serait bien que directement vous en parliez à vos médecins et qu'ils fassent la recherche eux-mêmes et ensuite vous en parlent. We continue with the microphone too. Vous avez également parlé des personnes intersexes. Est-ce que vous avez trouvé des recherches sur comment est-ce que les personnes intersexes sont exposées à des problèmes médicaux et comment se régler ces problèmes médicaux, ou comment est-ce que l'aspect masculin et féminin peuvent être connectés à ça? Personnellement, non. Je pense que les recherches à l'heure actuelle sont très marginales et il y a beaucoup de docteurs et d'experts qui font beaucoup de... qui n'utilisent pas les bons pronoms, qui ne font pas attention au genre. Et je suis vraiment désolée, mais les transgenres et les transidentités et les intersexes ont encore un long chemin à faire, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. On doit le faire nous-mêmes, parce que sinon, personne ne va le faire pour l'instant. Je suis vraiment désolée d'avoir à dire ça. OK, I see a question at microphone 4. Or are you guys just standing there? No question? No, I have a question. Okay, thank you. J'ai une question. Merci pour cette présentation. Je suis docteur et je suis très intéressé à avoir votre opinion sur les développements à propos desquels nous sommes tous ici. Par exemple, la transformation digitale du monde médical. Et est-ce que vous avez une impression en tant que sociologiste? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que c'est juste que les vieux hommes blancs docteurs sont remplacés par des jeunes hommes blancs docteurs et que tous ces préjugés, tous ces biais sont conservés? La deuxième partie, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de... La recherche est encore en cours, donc ce n'est pas encore inséré dans la médecine. Mais je ne pense pas que les jeunes hommes blancs remplacent les vieux hommes blancs. Je pense qu'il y a aussi des jeunes femmes qui remplacent les vieux hommes. Je parle de la médecine. Je pense qu'en tant que sociologiste, c'est très hiérarchique et c'est très, très traditionnel, la culture de la médecine. Donc, ça bouge très, très doucement.
et ces relations entre les gens sont remplacées très, très doucement. Je ne suis pas sûre que ça va bénéficier ma recherche, malheureusement, mais bon, c'est quelque chose que je dois vivre avec. Mais je dois quand même continuer à la faire pour vous et pour vos enfants. Je dois continuer cette recherche. Ok, microphone one, please. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir quand on voit que, par exemple, 60% des étudiants en médecine sont des femmes de nos jours? Alors oui, ça peut amener un changement, mais ce sera un changement qui sera lent et progressif. Je dois dire quand même que j'ai bon espoir que la nouvelle génération, la génération plus jeune, fera des choses mieux. Régulièrement, enfin, systématiquement, toutes les nouvelles générations apportent des gens qui sont plus énergétiques, qui ont plus d'espoir. La nouvelle génération est plus au courant des problématiques d'homosexualité, des problématiques de personnes de diverses races. Et ça va apporter un vrai vent de changement. Parce qu'on ne peut pas juste se baser sur la culture populaire. Donc, ce n'est pas juste un espoir du fait qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dans la recherche, mais c'est le fait qu'en général, nous, en tant que société, on devient plus ouvert et plus au courant de ces problèmes. Merci beaucoup pour cette présentation, très intéressant. Ma question est, est-ce qu'on pourrait voir l'intelligence artificielle comme une chance plutôt qu'une menace? Personnellement, je travaille dans un domaine proche de l'informatique médicale et je sais qu'on reçoit beaucoup de données sur les patients et ces données sont toujours annotées par des informations sur le sexe des patients, par exemple. Donc, est-ce que ça pourrait apprendre le système à ne pas répéter ces préjugés? Je suis tout à fait d'accord et je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment aider. Et je pense qu'analyser les données, c'est très important. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on continue à considérer le préjugé de genre. Et je pense que ma recherche essaye de faire des opérations sur les genres et faire en sorte que ce soit des variables dans l'équation et pour voir si ça peut avoir une influence. Ok, numéro 4, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Il y avait d'excellents exemples dans votre présentation. Et il y a une chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'était... Désolé, je n'ai pas compris la question. L'exemple de la synchronisation des cycles menstruels. Je suis à peu près sûr que maintenant la science médicale ne considère plus la synchronisation des cycles menstruels via les phéromones comme quelque chose de réel. Eh bien, je n'étais pas au courant, mais je vais m'y intéresser. Est-ce que ça pourrait pas être utile d'ignorer la question du genre et simplement de passer à la question des gènes en matière de médecine, puisque est-ce que les sociologues s'intéressent à cette question? Je n'en ai pas vraiment entendu parler, mais si vous avez du temps, ça m'intéresserait beaucoup d'en parler. Oui, parce que par exemple, en neurosciences, en neurologie, il y a des gènes dans le cerveau, bien sûr, et en fonction des gènes que vous avez, vous êtes plus à risque, par exemple, d'avoir une addiction à la nicotine ou à d'autres choses. Et ça dépend non seulement du sexe, mais aussi des gènes. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et est-ce qu'au bout d'un moment, le sexe ne serait pas juste un facteur qui rentre dans les risques? Non, bien sûr, ce n'est pas le seul. Mais on doit aussi le regarder. Parce que pour l'instant, ce n'est pas intégré dans le système du tout et dans les recherches. Des fois... Des fois, ils ont un groupe d'hommes et de femmes, et donc ils les divisent et ils regardent. Mais des fois, ils font pas cette étape-là. Donc c'est pas intégré dans le système en tant que variable pour les recherches à l'heure actuelle. Et donc moi, c'est sur ça que je veux pousser. Donc on doit commencer avec cette étape. On doit d'abord se dire que oui, ça existe. Quand ce sera géré, alors on pourra regarder à d'autres choses. Mais pour l'instant, il faut que ce soit géré. Merci pour cette présentation.
J'ai beaucoup aimé la partie où vous avez montré que même la recherche et les résultats de la recherche sont influencés par les genres, comme par exemple les souris et les blouses des chercheurs. Ma question est, est-ce qu'il y a eu de la recherche sur est-ce que c'est courant qu'on ait... Est-ce qu'on a souvent des données sur les personnes intersexes, sur leur représentation? Et est-ce que pour ces personnes, on a besoin d'avoir une autre façon de rechercher, de faire de la recherche sur ce problème? Je pense que la plupart des médecins vont demander homme ou femme. Et le problème, c'est que quand on est intersexe, on ne peut pas participer parce que le groupe qui reste de gens, il n'y en aura pas assez pour les statistiques, malheureusement, parce que la plupart sont hommes ou femmes. Donc, si j'ai bien compris, il y a un écart entre un écart de temps entre les hommes et les femmes. Entre une crise cardiaque et entre une blessure et le ressenti de la douleur pour un homme versus une femme. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait régler ça, puisque ça affecte leur capacité à être soignée? C'est une question compliquée et ma recherche, on voit que les femmes essayent de faire attention et de faire plus attention. Elle regarde plus quand est-ce qu'il doit récupérer les enfants, ce genre de choses. Il y a aussi, bien sûr, des stéréotypes dans lesquels je parle. Mais ils sont toujours là et ils font toujours du mal aux gens. Donc le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est le cas. C'est difficile de se prendre au sérieux. J'avais une question sur la fréquence des crises cardiaques chez les femmes. Quand vous avez dit 43%, est-ce que les femmes ont réellement moins souvent des crises cardiaques ou est-ce que ça pourrait être qu'il y a aussi des cas où des morts ne sont pas attribuées à une crise cardiaque pour les femmes? Très bonne question, mais c'est très difficile et on doit continuer à rechercher sur ça. Les hommes peuvent aussi avoir la version féminine des attaques cardiaques. Et leur vie peuvent aussi être en danger. Et ils peuvent aussi mourir parce qu'ils peuvent aussi avoir les mêmes symptômes qu'ils ont d'habitude, ceux des femmes. Mais il faut quand même qu'on continue à rechercher. Et il faut regarder pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Et quand on fait l'autopsie, il faut regarder quel âge ils ont. Et par rapport à ça, il faut aussi regarder ces symptômes-là. Number two, please. Hi, thank you. I was wondering if you've come across... Je me demandais si vous avez vu des exemples de gens qui, par exemple, pouvaient avoir des analyses quantitatives. Est-ce que ça pourrait donner des données que la recherche n'a pas eues jusqu'à présent? Peut-être quelqu'un dans l'audience serait intéressé. Je suis désolée, non, je ne sais pas. Mais si vous savez, non, moi je ne sais pas. Si vous savez quelqu'un, dites-le moi, ça m'intéresse. Bien, je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, merci beaucoup pour cette excellente discussion à tous les gens qui ont posé des questions. Et merci en particulier à Sarah Hittner pour cette présentation absolument géniale. Cette présentation était « Comment la médecine a découvert le sexe » par Sarah Hittner.